Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Jovenel Moïse avec Premier ministre Joseph Jout remettre institution policière là matériel sa yo en réponse à revendication agent PNH yo qui compte plein manquer moyen pour combattre bandi qui a bay problème dans population. Directeur général PNH là Léon Charles fait remarquer matériel sa yo vini dans bon moment. Le matériel sa gen la donne 29 machines tout terrain, 3 bus avec une centaine moto. C'est en façon pour président Jovenel Moïse renouveler engagement li prend pour tabli sécurité dans pays a. Chef l'État dit li souhaite commissariat qui trouvé yo dans zone reculé yo bénéficier matériel sa yo. N'a rappelé dans cadre budget 2020-2021, exécutif la alloué 6 milliards goud en plus à police nationale là pour acheter matériel y a besoin pour fonctionner. Sans compter 4 janvier qui s'est passé là, autorité yo inauguré un hôpital dans bon repos. Côté policier a recevoir soin 105 hommes. 2021, c'est une année électorale. Côté la police pral fait face à gros défis dans la question de la sécurité sur tout le territoire. Ministre Justice là, Rockefeller Vincent, fait qu'on est exécutif là, consenti en pile d'efforts pour accompagner agent PNH à différents niveaux. Frère Maxime qui est en opposition, moment arrivé. Peuple a compris tout le bagage. Pas occupé, non. Le peuple a déboulé le pays, a même dit nous ça, c'est pas nous-mêmes nos religions qui veulent bouler. Moun serve avec nous. Yo fait nous faire peuple a bouler le pays. Jodia, moun kap serve avec nous, yo, c'est pour nous faire suspendre parce que le peuple a lui-même lui quitté ça déjà. Le peuple a pas travaillé comme ça encore. Il va pas faire bouler le pays. Jodia, il a construit. Jodia, nous venons garder bel système ça pour lui. C'est l'argent. Parce que le contribuables internationaux qui ont l'argent pour belle bail qu'on s'est construit, c'est pour le peuple là. Le peuple a bouqué. Ou même je dis que il y a des gens qui ont chauffé tes tout pour pouvoir mentir pour prendre la rue pour venir dans ce qui passe dans le roche, dans le caoutchouc, pour la police arrêter ou ressaisir. Parce que le loi dans la prison, c'est pour qu'on trouve aller. Les gens qui prennent un gros cob là, qui vont dire monnaie, l'argent n'a pas chuté. Pluralisme politique là. Démocratie a li boujonne dans le pays. Pour qui ça, le monde monte président, chaque jour, c'est pour qu'on complot qu'a fait pour le jeter comme président. Ça veut dire. Le monde n'a monté qui t'aime faire 5 ans président. Ou même qu'on y a la wale dans l'élection, tout. Ou bien nous faire 5 ans, tout. Moi-même, wale pam, prochain président, m'a besoin qu'on a quitté quand l'absouti. Wale pam, je dis à l'expérience, ma père, c'est pour tel bali. Accompagne elle. Pour le cas, font bon 5 ans. Pour me montrer tout piège, je ne prends la donne, pour le pas prendre la donne. C'est ça, lui. C'est wall power soit fait politique ou pas là pour combattre l'autre monde qui a fait politique. Politique, il est là pour servir le monde. Il est là pour travailler pour bien-être la population. C'est pour ça qu'on choisit pour faire politique. Ou pas qu'on choisit pour faire politique, ni pour venir riche, ni pour faire monde venir riche. Ou là pour faire politique, pour travailler pour le bien-être collectif. Et c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour moi un grand privilège de prendre la parole ce matin au nom de toute l'institution policière et aussi un honneur d'accueillir à la direction générale de la police le président de la République d'Haïti, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, à cette cérémonie de remise de matériel. En effet, l'événement qui nous réunit en ce moment revêt une importance capitale puisqu'il concrétise la promesse faite par le président de la République d'accompagner l'institution policière en vue de l'aider à accomplir sa mission de sécurité publique. Comme vous le savez, la police nationale d'Haïti est appelée à relever de grands défis sur le plan sécuritaire au cours de l'année 2021.
laquelle est porteuse de grands dossiers d'intérêt national. En prévision de la besogne à abattre, elle a mis sur pied un plan d'opération, élaboré des stratégies, dressé l'inventaire des ressources disponibles et est parti à la recherche de moyens manquants pour répondre efficacement à sa mission. Nous pouvons nous réjouir de ce que les démarches entreprises ont porté fruit, car nos paroles sont tombées dans des oreilles attentives. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui nous donne l'occasion de remercier le chef de l'État, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, notre Premier ministre, le Président du Conseil supérieur de la Police nationale, Monsieur Joseph Jout, notre ministre de la Justice et de la Sécurité publique, notre ministre de tutelle, pour avoir fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la Police nationale d'Haïti. Malgré les contraintes économiques du moment, ils ont tenu tout de même à faire de nombreux sacrifices pour permettre à l'institution policière de répondre à ses obligations de gardien de l'ordre, de la paix et de la sécurité publique. Cette flotte de véhicules flambant neufs arrive au moment où la PNH devra renforcer le contrôle sur un ensemble d'axes et de points stratégiques pour permettre à la population de reprendre confiance tout en dissuadant et traquant les membres du crime organisé. C'est donc de bon cœur que j'accepte, au nom de la Police nationale d'Haïti, ce généreux don de matériel roulant de la part des plus hautes autorités de l'État. Nous promettons d'en faire bon usage, de surtout bien les entretenir pour qu'à travers leur longévité, l'institution policière puisse assurer une plus grande visibilité et offrir plus de mobilité aux unités nationales. La remise de ces véhicules, aujourd'hui, traduit la volonté de l'administration Moïse Jout de doter la police nationale d'Haïti des matériels nécessaires pour faire face aux grands défis de l'heure. Un homme, une mission, des moyens et cette trilogie à respecter et à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats attendus de nos vaillants policiers. Le gouvernement a augmenté de 6 milliards de gourdes le budget de la PNH. Nous continuons à multiplier les efforts pour professionnaliser l'institution policière. Dans cette période mouvementée, la police est plus que jamais sollicitée. Je les enjoins à agir avec fermeté, rigueur et dextérité pour permettre à la population de regagner la quiétude d'esprit. Soyez inébranlables face aux bandits de tout poids. Personne ne pourra abuser de vous pendant que vous vous sacrifiez pour maintenir la paix sociale. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se tient debout, fermement à vos côtés, dans cette bataille d'éradication par tous les moyens des gangs armés. Faites bon usage de ces véhicules. 4 mois, je veux parler, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier, depuis le mois d'octobre 2020, après avoir publié le budget 2020-2021, moi, le Premier ministre et le ministre de la Justice, nous nous sommes mis d'accord pour
travaillent ensemble afin d'équiper la police nationale de véhicules et ce, dans un bref délai. Ça nous a pris 4 mois parce que je dois vous dire, depuis le mois de décembre, je parle au Premier ministre, je dirais parfois 2 fois par jour, pour lui dire, PM, nous allons avoir ce véhicule quand? Mais il me dit toujours, Président, comme vous le savez, l'administration publique est extrêmement difficile. Nous devons travailler pour arriver à notre fin convenablement. Hier encore, quand je l'ai appelé, il m'a dit, Président, vous aurez satisfaction demain, mais il y a un petit problème. C'est que parmi les véhicules, il y a un concessionnaire qui a livré 5, 10, je dirais. Il en manque 5. Je lui ai dit, bon voilà, nous allons procéder quand même à la remise de ces véhicules en attendant l'arrivée des 5 autres. Justement pour vous dire combien que la sécurité compte pour moi. Parce que comme le ministre de la Justice vient de le dire, quand vous avez des hommes, vous donnez à ces hommes une mission. S'ils n'ont pas de moyens, eh bien, ce sera un vœu pieux. Je suis heureux ce matin de voir que la police nationale est dotée d'un pack de véhicules neufs. Je dois vous dire que depuis mon arrivée au pouvoir, je me suis battu pour équiper la police nationale, pour que la police nationale soit à la hauteur de sa tâche. Nous sommes en 2021. Entre 2017 et 2021, nous avons déjà donné près de 200 véhicules à la police nationale. Je veux parler des véhicules au niveau de la zone métropolitaine et des véhicules sur les commissariats de province aussi. Mais je veux profiter de cette occasion pour demander au directeur général de la police d'ouvrir les yeux grands sur les commissariats de province. Par exemple, les villes frontalières. Je prends l'exemple de Bel-Ader. Je pense que Bel-Ader n'a pas de véhicule aujourd'hui. Ou bien si Bel-Ader a un véhicule, c'est un véhicule, je dirais, qui date de plusieurs années. Et comme vous le savez, Bel-Ader est une ville frontalière, c'est l'entrée du pays. Ce sera bien que Bel-Ader soit doté d'un véhicule neuf. Parlons du département de la Grand'Anse. Je sais que ce département a peut-être 2 ou 3 véhicules pour tout le département. Je sais que le problème est grave dans la zone métropolitaine, mais monsieur le directeur général, ouvrez grand vos yeux sur le reste du pays. Parce que la police nationale est en train de pourchasser les bandits à Port-au-Prince. Je dois vous dire que ces bandits ne vont pas chômer. Ils vont continuer à travailler sur les régions. Les policiers qui sont à Bédouen, à Ansapitre, à Grand-Gosier, à Bombardopolis, à Cornillon, à Gantier, à Fonverette, ces policiers, monsieur le directeur général, ont besoin de moyens aussi. Il ne faut pas les oublier. Il faut penser à une police nationale véritable, une police qui est présente, je dirais, dans les 10 départements du pays, dans les 147 communes du pays et sur les 572 sections communales d'Haïti. Satisfaction personnellement encore maintenant, c'est pour moi que qui ça a un leadership qu'a fait. Et publiquement, nouveau commandement police là, nouveau chapeau pour nous, courage, parce que nous avons un job qui est extrêmement difficile, surtout, là nous décider, sécuriser population. Là nous dit, là nous décider sécuriser population. Ça veut dire, on police sans force côté police là, pas ni à droite, de pas ni à gauche. Police là, les camps de droite pour le bail, peuple haïtien, sécurité.
Ça veut dire côté dans le pouvoir, on va faire des ordres. La police supposée mettre main en colère. Que ou t'es dans l'opposition à faire des ordres, la police supposée mettre main en colère. C'est roi la police là, la justice supposée lui-même lui ordonner pour le cap faire travail par là. Et travail c'est mettre l'ordre, travail c'est rendre le monde vivre plus bien dans le pays. Mettez sécurité parce que j'aime dire le 1er janvier, Anissa, pour nous parler de constitution, pour nous parler de élection, pour nous parler de électricité, ça n'a pas qu'à faire sans sécurité. D'ailleurs, nous voyons qui s'est passé dans une sous-station le 31 décembre dans la zone métropolitaine. Des gens mal intentionnés qui peur lumière. Parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a des gens qui peur lumière, qui remet fait noir. Ils ont crasé une sous-station, ils ont vandalisé une sous-station qui est là pour desservir zone qui est plus importante dans Port-au-Prince, ça veut dire zone côté l'hôpital général. C'est sous-station ça qui est alimenté. Les gens qui sont mal intentionnés à le craser. Même profite d'occasion pour me dire, les gens qui te voyaient Wacha, ce n'est pas lui qui est problème. Mais c'est les gens qui voyaient les gens Wacha. Parce que les gens, ils connaissent bien. Les gens sont éclairés. Les gens connaissent ça, ça veut dire lumière. Les gens connaissent leurs yeux, on peut finir éclairé. Qu'on ne peut pas mener dans le feu noir encore. Et c'est cette route-là, nous, aujourd'hui. C'est pour ça, année ça, nous déclarer année 2021 une année électricité. Parce qu'il ne faut pas oublier depuis qu'il y a que la bataille a commencé. C'est à cause d'une guerre que nous avons donnée. Mais, il fait mal tout. Pour nous, c'est une guerre que nous obligés de faire pour mettre courant dans le pays. Pour qui ça? Mettre courant dans le pays, c'est supposé normal. Il t'a supposé c'est affaire élite, il t'a supposé c'est affaire tout le monde. Moi-même, je dis nous, moi-même qui marche dans tout le pays, que le peuple a obtenu que ça, électricité. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a des groupes qui ne parlent. Mais l'État au plus haut niveau livré, ça veut dire la fête. Et c'est pour ça que je dis nous que le pays a route. Côté nous commencer, pour nous mettre courant, nous mettons. Et je remercie la police nationale là pour l'accompagnement que moi, Libaye, l'électricité d'Haïti, dans le transport matériel et équipement qu'on fait à travers tout le pays. Moi, je suis ça. Moi, ouais, par exemple, Jacques Mel, qui a un équipement qui a monté Jacques Mel pour augmenter la capacité, pour me dire pour doubler la capacité. Centrale électrique Jacques Mel, là, moi, ouais, que la police, tu es accompagné juste parce que tu arrives dans le site. Hier soir encore, je suis accompagné par la police pour aller accompagner transport matériel avec équipement qui peut aller dans la centrale Chevry, dans Fort Liberté, pour aller tripler la capacité centrale Chevry qui peut permettre aux Wanamètres qui sont villes frontalières pour ne pas garder courant le soir avec les voisins pour toute la nuit. Ça veut dire 24 heures sur 24, tu gagnes courant la caille de tout. Son travail qui n'est pas facile. Lorsque, par exemple, pendant que nous parlons à la Cap-Haïtien, il y a un travail qui a fait pour, après 20 ans, nous reprendre une centrale électrique Saint-Philomène maintenant, qui pourra doubler la capacité de Ville Cap pour permettre rapidement, avant même que nous arrivions, un gros travail qui a fait avec General Electric et autres pour alimenter toute zone noire. Mais nous avons bien temps commencé avec courant 24 sur 24 là sur le Cap, avec centrale 7 filo maintenant, qui a un travail qui a fait pour doubler la capacité au Cap aujourd'hui, hein, aux environs de 10 MW, qui va le passer à 20 MW. Travail qui a fait pour permettre réseau électrique, pendant que je parle là, nous connaissons que le transport qui a fait là, qui a sorti au Cap par la mer, pour aller port de paix avec des poteau électrique pour construire réseau électrique pour interconnecter Saint-Louis du Nord, Savoleur, Chansol, Bassin Bleu avec Port de Paix. Travail pas facile. Ça veut dire tout le temps que l'État a décidé de travailler plus, c'est tout le temps que le travail policier est plus difficile. Travail extrêmement difficile.
même Jean dans Carrefour, travail a fait pour que centrale électrique Carrefour 3 qui a construit par General Electric, travail a continué et a fait. Et donc police nationale là dans tout ça. C'est fouillé, j'ai gardé pour me sécuriser tout travail qui a fait là. Pour permettre que pour satisfaction de la population, pour permettre le travail la police là, c'est plus facile tout. Parce que l'heure de lumière, c'est plus facile, surtout le soir, où la police a besoin de faire des interventions, de capable de faire. Mais qu'on est que l'année, ça, son année qui n'est pas même genre avec l'autre. Son année élection, côté la police, pour la boule, sur tout terrain en même temps. Et c'est pour ça que nous commençons bonheur. Nous, dans le mois de janvier, nous commençons à équiper la police là. Il y a d'autres commandes qui font. Directeur général, là, je fais part de ça. Désir, vous fouillez et vous regardez pour que commande ça. Je ne vais pas prendre trop de temps pour entrer. Pour un bon genre matériel avec équipement. Je voulais parler de équipement de protection individuelle pour protéger les policiers, policiers, dans le travail qu'ils font chaque jour. Équipement qui pour permettre que le gagnant turbulence. La police qui a intervenu avec des armes non létales, qui a permettre que pour ne pas avoir des gens qui fauchent par bavure policière, ça veut dire pour ne pas avoir des personnes qui, c'est des balles réelles qui ont, mais que la police ait capacité pour être capable de contenir tout ça qui a bien pour faire tout problème qui vient qui pour permettre que l'état de droit, ça nous arrive à nous continuer. Dans route ça. Parce que dans tout pays sur la terre, toujours il y a des gens qui ont manifesté, qui ne sont pas contents. C'est normal. C'est droit, c'est démocratie. Mais tout dans le pays, ça tout, toujours il y a des gens qui travaillent. Ça veut dire, pendant qu'on manifeste, l'autre monde qui travaille, il faut la police sécuriser les deux ensemble. Et les gens qui manifestent et les gens qui décident eux-mêmes continuer à faire travail. C'est pour ça l'important. L'important en pile pour tout le monde comprendre que je dis, la police là, elle est là pour protéger et servir. Mais elle est là pour protéger et servir tout le monde. Quelle que soit appartenance religieuse, quel que soit niveau de richesse ou bien niveau de pauvreté, la police là, là pour l'accompagner, pour lui protéger. DG, matériel ça. Nous avons une trentaine de véhicules pour nous préciser ces 29 et une centaine de motocyclettes. Il y a des bus qui sont là pour les policiers ou besoin de transporter d'un point à l'autre. Il y a des machines, bonnes machines, de moi là qui parlent le travail dans des moments difficiles et dans des zones difficiles. Jean-Ministre de Justice en ce deal, n'a pas des responsables logistiques là, moi, c'est. Son nouveau responsable. Et ça fait me content, moi, son femme. Ça veut dire, nous comptons ça, ça veut dire, mesdames, les gagnants, ils ont gagné, ils ont duré. Ça veut dire, comment ils ont géré bien. Bah, dis-le pour me dire, monsieur, dans la police là, qui est responsable logistique, nous ne travaillons pas bien, non. Mais nous gardons nous, expérience, nous comptons ça, mesdames, ils ont gagné. Ça veut dire, là, c'est eux qui vont, bah, ils ont gagné. Pour gérer, moi, nous garantis. Non seulement la durée, pas pour la faire petite même. Ça veut dire. Ça veut dire. Mais qu'on est. Nouveau responsable là. Il n'y a pas le travail pour équipement campagne. C'est comme ça que je dis qu'il n'y a pas le faire petit. Pour le réparer. Pour nous une autre machine encore à part de 30 ça. Nous ne pouvons pas mettre dans le garage. Nous connaissons le goût avec DG. Pour le parler dans les oreilles tout le temps. Pour permettre que tout équipement ça au campagne, que motocyclette, que machine, nous commençons à réparer. Et nous connaissons que le Premier ministre l'a toujours disposé et disponible pour tendre au commandement de la police pour permettre que le nouveau responsable logistique là, nous fasse passer bien, nous fasse passer belle, pour être capable de mettre équipement matériel à disposition policière. Pour faire travailler comme ça doit. Mon provincial qui attendait, qui gardait là. Nous attendons parler de quelques zones.
Même pas les noms, nous toutes. Je pense que nous toutes, nous attendons la sécurité. Et je connais que nouveau commandement, ça, nouveau directeur général police, là, nouveau leadership, ça, que la police a connu aujourd'hui, il va permettre que tout côté, quel que soit commune qu'on doit vivre à travers le pays, la police là a privé de nous joindre. Je vais aller, même à dire nous, policiers, policiers, on va aller, je vais dire nous, qu'un BFM, pas la guerre, qu'on est nous pas venu là pour nous sécuriser un groupe monde, pour nous sécuriser un seul monde, mais nous là pour nous sécuriser toute population. Pas oublier que nous pas là parce que la police parle de 26 ans. Regardez combien le président passe déjà depuis la police l'a créé et pourtant la police est toujours là. Le président monte, le président descend, la police est toujours là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pour nous connaître, je nous commence à quimber la police comme une police qui est apolitique, une police qui est là pour jouer un rôle. Le rôle de la police, c'est protéger et servir. La police là va là pour faire travail ni bon gauche, ni bon droite. La police là doit camper ferme dans le temps pour faire travail tout le monde. Ça veut dire pour faire travail ni mon à gauche, ni mon à droite, ensemble. C'est pour ça que la police là, moi-même, moi, je dis, nous là pour encadrer, pour encourager, pour permettre de quinder colonne vertébrale avec escape figile sans que personne pas infiltré la police là pour venir faire police là, venir faire job sale pao. La police là pour faire job propre, job la police là, job propre, c'est protéger la population, servir la population. Après Pétionville, Carrefour et Tabac, au Cap, c'est la quatrième ville qui a un bureau ou a visité avec guichet chauffeur là-dedans. Cérémonie pour l'ouvrir guichet chauffeur ça, réalisée mardi 19 janvier 2021. Dans guichet ça, propriétaire machine et moto a capable de renouveler police assurance sans difficulté, selon le directeur général ou a visité à Fritzner Bernadel. Il s'agit, par cette action, de proposer à la population haïtienne aux clients de l'office notamment, un service beaucoup plus rapide de renouvellement de police d'assurance, mais aussi de contribuer à la lutte contre la menace d'une deuxième vague du coronavirus qui nous guette et qui fait des ravages dans nombreux pays à travers le monde. Il est de notre responsabilité, de notre devoir même, de travailler tous ensemble, mettant de côté nos différends, nos querelles de chapelle, nos intérêts mesquins, pour, dans une symbiose de nos énergies, sauver notre Haïti, pour nous sauver nous-mêmes. Moun ki devine renouveler police assurance, mardi 19 janvier, exprimer satisfaction yo pour qualité et rapidité service yo jwenn nan guichet chauffeur. Yo souhaite autorité yo faire même travail ça dans l'autre institution yo. C'est pour la première fois depuis ou AVCT existé, pote m jwenn un service rapide comme ça. Dans 5 minutes, yo gitan ban mwen assurance mwen. Et tout d'abord moi-même m'a félicité responsable Cap Haïtien, m'a félicité directeur général là. Et m'a félicité président tout, n'a mandé tout à tout le monde qui va venir après le président, il faut faire même continuité, à même suivi pour nous donner un bon service dans le pays. Merci président Jovenel, merci gouvernement. Nous avons un peu de temps parce que nous faisons expertise, c'est qu'on a plusieurs monde là. C'est que si vous renouvelez la science, vous faites 5 minutes, vous renouvelez depuis bon toujours. Ça que vous faites, si toutes les institutions qui ont fait, le pays a des capes avancés. Au Cap, c'est la première ville province qui a un guichet chauffeur ou AVCT, d'après ça, Fritzner Bernadel précisé. Directeur général ou AVCTA promet de continuer le travail pour faciliter la population, jouer un service institution tout près de la caillou. Nous sommes travail d'aviation sur rivière commune Baradène dans le département Nipla démarré lundi 11 janvier 2021. C'est le ministre agriculture Patrick Sévère, notre collègue directeur infrastructure agricole ministère, Marc Edouard Jujuste, qui lance travail dans la 5e section communale Nicolas, dans l'objectif pour diminuer le risque d'inondation dans la commune. C'est une promesse campagne président républicain Jovenel Moïse de faire la population baradaire qui est toujours en grosse difficulté chaque fois qu'il y a une grosse pluie.
D'après ça, nous apprendre, c'est améliorer l'arrondissement Baradé sous virage rivière Baradé. C'est-à-dire que nous sommes bien contents pour ça. Nous avons inondation, et puis, il y a un problème. En dans la ville, là. Vous comprenez ça, M. Doula? D'après calcul, le président, le gouvernement fait, il y a eu pour diminuer la rivière Baradé, il faut qu'il fasse un passe pour qu'il tombe par Nicolas. Donc, dans le cadre de ça, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture, est à disposition pour qu'il commande une étude. Et après toute vérification, nous avons compte que la meilleure stratégie, c'est dévier la rivière. La déviation, ça l'a fait. Ce n'est pas que 100% de l'eau qui a venu à passer dans la déviation. L'ancien lien a toujours gagné de la dedans, mais chaque fois qu'on excédent, il a passé dans la zone. Ça. Donc, côté nous, là, nous à environ 26 mètres par rapport à niveau et l'autre rivière. Là. Donc, et matériel que là, il a travaillé ça pour faire, il a coupé mon nom. Et ouvrage là en soi, nous gagnons sur 3 km que nous travaillons. Côté que nous avons gagné pour nous faire, pour nous couper, nous avons gagné pour nous faire un digment et nous gagnons un ouvrage de traversée que nous avons fait. Directeur départemental agricole Nibla, Edmond Bruno, qui estime travailler ça pour apporter un gros soulagement à la population dans la commune Baradé, promet de voyager garder déroulement travail. Nous avons toujours campé là pour nous faire suivre le travail, ça va être un travail qui est d'importance pour nous. Et je pense que je dis, c'est pour la première pierre qui a fait là, mais nous avons toujours campé là pour nous suivre pas à pas ça qui a fait là. Parce que là où il y a de l'eau, il y a une inondation, ce n'est pas seulement pète en vie humaine, mais nous-mêmes en tant que représentants de l'agriculture pour le département, comme ça pour grand pile production tout qui perdu. Ministre agriculture Patrick Sévère mandé population zone là pour accompagner acteurs qui travaillent sur terrain yo dans cas déviation rivière si là. Pratiquement travail a démarré aujourd'hui à moi là, même qu'a dit m'a là assez souvent, même dit assez souvent. Là moi m'a fait deux trois voyages pour me garder pour travailler là pour avancer et m'a profité moi des populations Baradé pour travailler de concert avec l'équipe sur le terrain hein, pour travailler la café plus bien. Pour non seulement pour gérer le gaz, pour appui que vous avez opérateur, parce que quand on commence à débouloser, par les camions, par les mécaniques, par tout flotte d'équipement. Et je pense que les gens dans la localité, surtout le par mon localité, ou si vous travaillez pour la localité, avec mon localité. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons avec nous et pour nous. Travail d'éviation sous rivière Baradeya vini augmenter sous gros chantier. Administration en place là, a exécuté pour aider la population à râler un gros souffle de gros lapli. Tant que travail, ouvrage, protection, qu'a fait rivière Tibiwon dans le département Sidla, avec travail Baray la Tadri dans la rivière du Nord. Non seulement ouvrage sa yo a protégé zone yo, mais a permettre de l'eau disponible pour si la yo qui dans le domaine agriculture pour capable produire lis manger dans le pays là. Pendant la transition et officielle, monde qui pressenti pour ces des factions et la nouvelle administration, il n'y a pas capable de contact avec des officiels étrangers et son loi américaine. Mais de manière indirecte, nous avons des contacts avec certains amis et certains contacts qui, au moins, et qui commence à tisser. Et à partir d'aujourd'hui et 20 janvier, ça va nous permettre non, au moins et concrétiser et aller beaucoup plus pratique. Et parce que c'est ce qui est important, et coopération, engagement, d'engagement et avec nos partenaires, et c'est ce qu'on continue à faire. Et contact, nous allons continuer renforcer et discuter de pays et discuter de l'avenir, du futur. Non seulement d'Haïti, mais du futur de nos relations bilatérales. Qui perception aussi, mais l'administration qui a venu à gagner de ce qui a passé en Haïti, je veux dire? Bon, écoutez, et son nouvelle administration, et nouvelle tendance, et certainement, il y a approché, il y a perception, mais comme, et si je me fais à un baron si vous avez un tweet de secrétaire d'État qui va le venir, ministre des Affaires étrangères qui va le venir, et l'encadre de commémoration, 11e anniversaire quand on était là, où elle t'a parlé, il était plus ou moins et dit qu'elle va travailler pour renforcer le lien historique à Haïti et États-Unis. Et aussi le travail sur une question qui est importante, question de coopération et question des droits humains. Et je pense que ça a déjà bon un aspect de qui approche. Mais vous connaissez que de toute manière, l'administration américaine il va défendre les intérêts américains et nous autres et de l'ambassade d'Haïti à partir des instructions du Port-au-Prince
ne pas les défendre les intérêts d'Haïti. Nous espérons que la bonne relation fraternelle, comme ça a toujours été dans le temps, et parce que les États-Unis sont considérés comme le plus grand de nos partenaires. Et moi, je crois que nous avons toujours une façon pour nous de renforcer la relation à travers de nouvelles approches, de nouvelles politiques. Ça va dépendre tout de... Parce que, pas oublier, l'administration sera là pour 4 ans. Et l'administration sera en Haïti qui a fini en 2022, par le président en 2022. On va connaître qui a approché par bien, quelle va être sa politique étrangère vis-à-vis des États-Unis. Mais pour le moment, on pensait que volonté de l'administration sociale, c'est pour continuer de renforcer les relations bilatérales, de travailler ensemble sur des questions de sécurité, des questions de développement, des questions sur la protection de l'environnement, de l'énergie, etc. Et on pensait que c'est ça qui est le principal objectif. Non. Et nous voulons tout renforcer les relations, notamment pour en faveur de nos ressortissants. Pas oublier, nous avons une grosse diaspora ici, aux États-Unis, une communauté haïtienne qui est plus grande à travers le monde, ici aux États-Unis. Eh bien, il y a un point important que le président Biden a annoncé, et à partir d'aujourd'hui même, il va le publier, on va avoir un décret, ça va être sur l'exécutive order, pour lui échanger la loi immigration. C'est-à-dire, nos frères et sœurs haïtiens qui n'ont pas ça ici, pas le bénéficier. Et qui il va bien craindre ça, on peut craindre de faire une guerre pour déportation, etc. Parce que c'est quelque chose de positif que le président Biden a annoncé, qui parle bien pile d'implication sur nos frères et sœurs qui étaient dans le programme CPS là, qui parle bien possibilité vers, pour l'obtention de la résidence, de la carte verte. Quelque part, c'est quand même quelque chose, et nous allons continuer à encourager ça. Et une fois que et on sera au frère ça au fil gain graduel là, il y a peut-être possibilité vers de la citoyenneté. Eh bien, parce que quelque chose, c'est en quelque sorte que c'est une très bonne approche de la nouvelle administration. Et approche et question migratoire là. Il y a un changement de politique dans la question migratoire là. Et parce qu'il va bénéficier par un pile haïtien. Et ce type de politique, ça va continuer à encourager. C'est-à-dire une politique migratoire qui est beaucoup plus humaine. Président République là, Jovenel Moïse, dans un message sur compte Twitter, li, félicité président Joe Biden et vice-présidente Kamala Harris qui prend investiti mercredi 20 janvier 2021 dans le pays États-Unis. Il souhaite au succès dans le travail a bien pour réaliser pendant les renouveler volonté li gagner pour travailler avec l'administration tout neuf américain dans l'intérêt des pays. Yo. L'autre point, dans l'édition nouvelle, la responsable Rotary Club Pétionville, Sidio, organisé mercredi 20 janvier 2021, une séance orientation professionnelle pour élèves NS3 et NS4 dans le Collège Canado-Haïtien, Collège Marie-Esther. Une initiative qui rentrait dans le cadre de motivation qu'a fait beaucoup d'élèves sa yo, sous a fait choix, une profession, y a bien pour faire. Milia Emilias et Michel Joseph, t'es sous place, y a dit nous plus, en suivant. Et des élèves dans la classe terminale choisi métier yo. C'est principal objectif activité ça. Docteur Stéphanie Auguste expliquait intervention yo fait sous divers domaines pour aider les élèves choisir profession yo selon aptitude yo. Rotary est intervenu dans plusieurs domaines, dans plusieurs axes. Et là, je tiens à intervenir dans l'éducation parce que nous venons réaliser que il y a des jeunes, leur arrivée, là, nous avons un nouveau secondaire 3, un nouveau secondaire 4, qui apporte à la porte pour sortir et aller vraiment orienter dans profession d'avenir. Yo. Alors nous pensons que pas tout à fait en séance d'orientation pour qu'à faire une auto-évaluation et qui permet de garder dans qui ça y a une aptitude, dans qui ça y a plus qualité pour être capable de choisir en profession. Ce n'est pas parce que vous pensez que c'est médecine, c'est droit, c'est agronomie, mais il y a qui a l'autre aptitude. Et là, nous pensons que le Canada haïtien qui est ouvert pour Libanon, qui permet nous d'aller rencontrer les jeunes, faire parler avec eux, pour connaître qui ça qui gagne et qui ça qui a fait pour aller vers différentes professions. Coordonnateur OMRH là, M. Jean-Roudi Ali, croit li important pour choix profession yo bien fait. Gestionnaire Grenayel Apollon, bon côté pal, encourager élèves yo, suivre conseil parents yo. Nous pensons que c'est une très bonne activité à l'intention de jeunesse là.
parce que c'est aujourd'hui pour nous former, pour nous forger, si nous besoin, il y a une jeunesse qui apprend le pays à demain. C'est des gens formés que vous avez, vous avez, c'est des gens qui doivent gagner un bon bagage intellectuel, une bonne qualification, une bonne formation solide pour permettre de prendre l'avenir au pays. Je vais rappeler encore une fois, la jeunesse c'est l'avenir au pays. Bon, l'étape dit que Timounan qu'on qui salve depuis le petit, depuis le très jeune étudiant. Et s'il pas coca qu'on qui salve, c'est pour laisser parler avec d'autres monde qui est un petit peu plus avancé passé, les adultes, des parents, des amis même, et puis pour le capable orienter. Parce que tant qu'on oriente au plus bonheur vers en profession, c'est tant qu'on a plus de chance d'appréhender pour capable réussir. Directeur Collège Canada Haïtien, frère Augustin Nelson, applaudit l'initiative là. Nous invitons des professionnels réussis qui sont otariens et ils viennent parler avec les jeunes de profession. Et nous avons une conférence qui est faite avec Dr Jacques. Il est venu pour être capable de parler avec les jeunes, différentes attitudes et aptitudes pour développer, qui a un rapport avec tel type de formation que de professeurs sont capables de choisir. Donc, où elle a parlé de personnalité, et tout dépend de personnalité, il y a un type de profession qui allait avec personnalité. Donc, c'est une activité que nous avons toujours fait au Canada pour nous capables de sensibiliser les jeunes sur les possibilités de, pour apprendre une profession côté capable d'épanouir là-dedans pour la vie. Ça, c'est une première pour Anessa qui a l'autre activité encore qui a fini, qui est capable de permettre aux jeunes plus ou moins informés de différentes professions, de comment ils sont capables d'envisager étudiants après études classiques, comment ils sont capables d'envisager études universitaires pour être capables de mieux orienter et réussir la vie. Collège Canada Haïtien à Collège Marie-Esther, c'est de l'école qui bénéficie du programme ça mercredi 20 janvier. Dans le cadre de travail recherche avec les collègues Dominique, le réseau Stop Accident, de concert avec Patnelio, réalisé sur le territoire national de façon hebdomadaire, nous recensons en total 31 accidents qui fait sur route yo pour semaine qui allait du 11 au 17 janvier 2021. Accidents ça y a fait environ 73 victimes, parmi yo gagné 63 monde, c'est des monde qui blessés et en pile mayo t'est arrivé l'hôpital pour joindre soin que cas de nécessité et gagné 10 là-dedans yo qui malheureusement t'est perdu la vie yo suite à accident ça yo. Parmi eux, une fillette qui était seulement 8 l'année. Zone qui plus touchée, c'est Bois Verna, Pèlerin 6, Pipoville dans Vaudreuil, Morne Calvaire, Fort Saint-Michel dans Cap-Haïtien, Morne Blanc sur route nationale numéro 3, Canapé Vert, Champ Aviation dans Port-de-Paix et La Trier. Nous voulons signaler que données ça y a une limitation. Et première limitation, c'est que le réseau Stop Accident peut confiner tant sur tout territoire national. Ça veut dire qu'il y a des zones qui sont reculées, que nous pouvons gagner des agents qui peuvent bannir information sur effort et sur accident qui fait dans la zone ça y a. Et puis l'autre bagaille, nous pas gagner toutes données concernant les gens qui peuvent mourir après que vous finissez arriver à l'hôpital ou bien sous chemin pour y aller à l'hôpital, que vous avez soin ou pas. Alors, parmi les accidents qui étaient plus meurtriers pour semaine ça, nous voulons quand même signaler, il y a un accident qui était fait dans la zone Petit-Anse, dans le Cap-Haïtien, et dans l'école nationale Fort Saint-Michel. Alors, son accident qui était impliqué en moto 3 roues avec une autre machine, côté que là-dedans, tu as quelqu'un pour pipiti 5 monde qui perdu la vie. Et sur route nationale numéro 3, tout ça fait quelque temps depuis commencement année 2020, on a parlé à tes autorités et compétentes yo sur nécessité pour que y ait des mesures qui prennent, des enquêtes qui faites pour comprendre raison qui fait toujours des accidents qui fait sur route ça yo et surtout accidents ça yo toujours impliqué perte en vie humaine, ça que nous-mêmes dans stop accident, n'a travail pour que qui pas arriver sur territoire national.
Qui donc pour semaine ça qui va commencer, hein? Nous souhaitons tout le monde bonne semaine, dans respect principe circulation, dans respect contre sur route yo, et puis dans respect principe également contre coronavirus dans le pays. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.